peuple. Notre Père Céleste, nous remercions pour parole. Nous remercions pour effet que parole gagne dans la vie. Nous remercions, Seigneur, que parole soit là pour enseigner nous. Parce que nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de connaître qui nous sommes, qui nous vivons. Nous remercions que parole soit là pour convaincre nous. Parce que, en plus de bagarre que nous n'avons pas fait, c'est parce que nous ne convaincre vraiment que nous avons un succès dans l'entreprise dont nous avons obéi à parole. Nous remercions que parole soit là pour enseigner nous. Pour corriger nous. Parce que nous avons fait un pile erreur, ça va nous apprendre dans l'expérience que nous faisons dans la vie. Ça. Un pile fois, mauvais enseignement que nous entendons. Nous prions aussi, on va purger dans nous-mêmes tout ça qui des erreurs doctrinales dans la vie. Nous. Pour parole, ça, au Seigneur. Aidez-nous pour nous capables prêts pour mission qu'on gagne pour nous-mêmes pendant que nous sommes dans la chair. Pour appel qu'on gagne pour la vie de chaque monde qui l'a individuellement. Nous remercions pour tout le ministère dans l'église. Là. Aidez-nous tout, Seigneur, pour nous continuer à vivre. Nous connaissons 2015 ans, c'est une année qui est très cruciale pour nous-mêmes. Nous remercions pour tout ça que nous avons commencé à faire dans l'année. Ça. Pour l'invitation que nous avons gagnée aujourd'hui pour que de l'orange, pour d'autres invitations que nous avons gagnées pendant l'année. Là. Nous remercions pour la construction de l'église. Là. Qui gagne pour le fait. Donc, on a fait provision miraculeusement. J'en crois habitué à faire. Nous prions, Seigneur, va aider nous pour nous être fidèles dans la tâche que confie nous toutes, Seigneur, qui nous a assemblé ça. Et les gens qui vont mettre meilleur à la patte pour avancer en 2015, là, pour mettre meilleur à la patte, pour capable utiliser, pour capable bénir le pays, ça, pour capable pour pays, ça, capable de notre visage, pour nous suspendre, Seigneur, faire ça qui n'est pas conforme à la volonté. Nous nous remercions, nous prions. Non que nous disons, non que nous méritons, mais nous prions dans le petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Si message nous, quel Dieu est semblable à toi, ô Éternel? Pas un bon Dieu qui semble avec bon Dieu, pas nous, qui nous servir. Monde là, fait un peu j'ai noté, ouais, ça, mercredi passé, ça qui est passé en France, là, ça qui a passé avec Boko Haram. Boko Haram, c'est un groupe islamique qui a fait un peu de zone Nigeria, qui a tué les gens, qui a kidnappé les petits filles, qui a violé, qui a mis des bombes sur eux, qui a explosé, pour tuer les gens toujours. Et tout le monde associe tout le bagage à des hommes et des femmes qui ont servi Dieu. Et puis mettez tout le monde dans la même panier. Comme c'est même Dieu ça. Comme c'est un Dieu qui est violent. Sachez que, en pile fois, le monde a l'impression que l'Ancien Testament, bon Dieu qui est dans l'Ancien Testament, c'est pas même bon Dieu qui est dans le Nouveau Testament. C'est comme si bon Dieu dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu de grâce. Mais l'Ancien Testament, c'est un Dieu de violence que c'est pas vrai. Bon Dieu, c'est une fois dans l'Ancien Testament que l'idée prend le peuple Israël, il fait jouer un rôle pour nous-mêmes, pour capable enseigner nous, il y a un bagage bien déterminé, que le péché a des conséquences. Depuis 400 ans avant l'événement ça, bon Dieu a annoncé l'événement ça à Abraham dans Genèse. Il dit à Abraham que je vais juger le péché de mon canaan. Parce qu'il y a un bon bagage qui l'aide. Même il dit que, il faut comprendre deux jours, nous avons quitté le péché. Le péché pour arriver à leur comble. Comme si l'époque arrivait dans le côté que bon Dieu n'a pas supporté encore. Et bon Dieu dit, Abraham, c'est génération qui va le faire. Laisse Abraham beaucoup de petit, non? Bon Dieu a annoncé qu'il va l'utiliser, petit Abraham, qui va sortir. Il dit, il a sorti dans le pays qui n'est pas pays. Yo. Après, nous venons connaître en Égypte, parce que nous connaissons l'histoire nous-mêmes. Mais Abraham n'est même pas même connu ça. Abraham est mort, il n'est pas même connu ça. Bon Dieu a fait la promesse là, que petit lui descend dans le lieu, il va l'utiliser comme armée. Pour les juger en peuple. Mais son seule fois dans l'histoire, bon Dieu fait, pour capable enseigner nous. Bon Dieu, pas jamais des peuples d'Israël à l'attaquer aucun peuple. On va pas voir ça dans la Bible. Après, Canaran. Fini. Et on va même faire le job là bien même. Ça va jamais faire encore. Donc, j'en appelle le peuple à attaquer Israël lui-même. Bon Dieu défend Israël. Mais bon Dieu, pas jamais voir Israël à attaquer aucun peuple. Et bon Dieu, pas rendre nous-mêmes en tant que chrétiens pour nous faire ça. Donc. En fait, il dit nous que si on va nous, on va nous faire un l'autre bord. Les dit, nous remèn, ennemis nous. Donc, si nous remèn, ennemis, on bon, ou pas tuer, ou remèn. Et nous, il y a des hommes et des femmes de l'histoire qui font ça. Nous avons un film qui est passé là longtemps, mais peut-être nous avons besoin de passer là encore, qui dit La fin du javelot. C'est un film ça, qui est des missionnaires américains, qui en Amérique latine. Et puis, monsieur prend javelot, c'est des cannibales qui ont été, et ils ont besoin de ces monsieur, parole, bon Dieu, bah, la Bible, il va connaître. Qui j'en peux faire ça? Il y a essayé d'aller dans le pays, monsieur, ils descendent, les messieurs web blancs, yo prend javelot pour yo tuer yo et monsieur ça au missionnaire américain ça te gen zam nan mais yo yo pas tiré monsieur je dis mais ça pour faire la paix avec le seigneur ça c'est vraie histoire que lié et moun qui te tué missionnaire il vivant toujours jusqu'à maintenant monsieur fini grand monde connia monsieur vivant il dit que nous pas tuer yo nous même nous quand côté nous pour aller nous faire la paix avec le seigneur
et au quitter monsieur tué avec javelot même il gagne revolver dans main il pas tué monsieur donc c'est pas en violence c'est pas violence que bon Dieu demandé que nous faire mais grand pays religion dans monde ça c'est violence même que moun qui était venu avec principe ça demandé pour faire pas quitter que média bonne balanti bonne ti alcool fait non dormir comme si non c'est pas religion bonne violence c'est religion la paix regardez tant de nouvelles dans monde là on va prendre c'est la paix là le problème ça passe en France là parce que tout pays islamique qu'on y a gain problème là-dedans et c'est pas même moun qui dans la rue seulement en plus c'est gouvernement eux-mêmes qui a fait bagage ça à nous comprendre pas gain bon Dieu qui semblable à Dieu que n'a servi nous-mêmes terme livre là songer c'est jugement et rédemption et livre là pour finir même genre toujours montrer nos conséquences péché et montrer nous que bon Dieu a un plan pour acheter nous songer Michel le dit qui est comme Jéhovah. Même Jean-Michel veut dire qui est comme Dieu. Michel, c'est qui est comme Jéhovah. Nous avons avec John Vernon Magee, division que le gagne de livre que moi j'ai utilisé pour nous étudier le ça, c'est chapitre 1 à 3, qui c'est proclamation, jugement à venir à cause de péché. Bon Dieu averti nous que gain jugement pour péché. Dans le chapitre 1, bon Dieu t'a adressé là à toute nation. Chapitre 2 et 3, bon Dieu adressé là à leader. Et nous avons déjà nous étudié le chapitre ça déjà. Et moun ki gen pouvoir nan men yo, bon Dieu te montre yo, ki jan pral juge yo, pou sa ki a fait passage, chapitre 4 à 5, c'est prophétie, sur sa bon Dieu gen ki réservé pour nous-mêmes, promesse que bon Dieu gen pour nous-mêmes. Nous te voyons que bon Dieu son Dieu d'espoir. Chapitre 6 et 7, que nous y connaissons, chapitre 6, bon Dieu a exhorté nous à la repentance. Li fait nous des promesses extraordinaires, mais promesses sa pas automatiques. Faut nous repentir de péché, non? Pour nous capables de rentrer dans la promesse, bon Dieu, dans la bénédiction, bon Dieu. Et chapitre 7, bon Dieu parle montre nous, qui gens que les sont dit de pardon, les pardonner monde pour iniquité, et l'oublier tout, lui dit les fin pardonner non que l'oublier, qui était une prophétie que était sur Jésus-Christ qui était pour mourir pour moi avec. Verset 1er chapitre 6 verset 1er, écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Et le deuxième second bagage contre moi, parler, fais la nature tando. Lever, camper. Alors, dans le tribunal ensemble, alpe de cause, dit montagne, dit colline, fait autant de voix, qui soit gagné pour reprocher. Verset 2, écoutez montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Son langage qui est très très courant dans l'Ancien Testament, que bon Dieu, pour montrer au peuple d'Israël, mais que ça nous gagne contre moi, on a le jugé, on a le jugé. Pour qui ça me fort, et puis garder qui sont ferme. Eh bien, regardez qui moun nan deyan qui gen raison. Bon Dieu toujours demande jugement ça yo. Pour que ça, parce qu'il connaît li pa jam fè non rien qui va ça lui même. L'a gen jugement quand même. Le son Dieu de bonté, de grâce, d'amour, de miséricorde. C'est ça que Dieu y est lui même. Verset 3, mon peuple, que t'ai-je fait? Bon Dieu a plaidé avec même s'il t'a plaidé avec peuple Israël. En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Pour que ça me dise ça, bon Dieu pas demandé de bon faire pour lui non. Tout ça qu'on fait pour bon Dieu, c'est pour bénéficier encore. Vous êtes comme ça? Ou évangéliser le monde, ou venir affirmer dans la foi ou même. Vous êtes comme ça? Tout ça qu'on fait pour bon Dieu, ou je n'en bénéfice. Et pas nous faire travailler bon Dieu a procuré tout son besoin pour faire travailler. Donc, c'est nous toujours à gagner. Bon Dieu va gagner. Que le besoin amène nous, que nous faisons ça, bon Dieu dit nous faisons dans la Bible, que nous ne faisons pas. Bon Dieu a toujours été même bon Dieu. Bon Dieu, vous comprenez? Pas gagner qu'à changer dans les mêmes. La Bible dit non, en lui, en Dieu, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. On ne parle pas rien pour bon Dieu, pour faire plus bon Dieu ou bien moins bon Dieu. Tout ça qu'on fait, c'est au même encore, c'est moi-même encore, avec qui bénéficier. Verset 4 dit non que, encore, je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Pour ça qu'on voulait, on va appeler de compte, mais pour ça qu'on voulait accuser. Parce que je t'ai sauvé du pays d'Égypte, quand je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, je t'ai délivré de l'esclavage, et pour ça. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, mon leader, Aaron et Marie. Mon peuple, verset 5, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, même le monde venu pour eux, en lagué sous malédiction, je n'ai pas quitté Ophel, et ça que Balak a besoin de faire avec Balaam, roi de Moab. Et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Siti Magilgal. C'est verset 5 là dit non. Afin, bon Dieu dit, me rappeler dans le bagage ça pour ça. Afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel.
Bon Dieu, c'est pas plein, la plein, bah nous mais bon Dieu, voulez ouvrir les yeux, peuple, pour comprendre que moi bon pour vous. Compte les bienfaits de Dieu. Environ 20 ans de cela, bah, c'était moi, en 2015, environ 20 ans de cela, des fois expérience. Et bah, c'est mon ça me fait que me rencontrer, t'es capable d'écrire passage ça, même gens que bon Dieu écrit le pour nous. C'était un père qui devenait me dégrand, un business États-Unis. Que je me dégrand faire classe informatique le soir. Je travaille le matin et puis le soir je me dégrand business. Mais business c'était venu dans un ministère parce que tout le monde pas j'en paye, me quitter au lame c'est quand même. Même dit bon Dieu merci quand même parce que là dans travail qu'on y a dans domaine informatique. Et puis il y a un père en là qui vient côté moi je soir et puis avec un jeune garçon. Et puis il était dit pour m'aider avec monsieur. Il dit que monsieur son seul bagage dans la vie qui intéresse c'est drogue. Papa, c'est comme si moi le li passa ça et m'a pensé avec papa ça. Monsieur était presque à crier dans bureau, hein, il vient côté. Il dit monsieur ça au café pour petite moyen. Hein. Il dit m'a pas manquer rien non, c'est il dit m'a pas manquer rien et il pas manquer rien parce que m'a manquer rien monsieur papa. Monsieur dit m'gan pile cob. Moi dans belle caille, moi gain belle machine. Moi manger salvelé n'importe quoi besoin m'a balil, mais pas gain rien qui intéresse que drogue. Papa prête pour crier, monsieur c'est un médecin qui pas pratiqué dans sens comme si vous malade, mais son chercheur, son haïtien qui a fait recherche dans domaine cancer pour jeune remède dans domaine cancer pour une plus grande université États-Unis. Moi je dis qui université pour pas trop barrer sur monsieur. Il y a une plus grande université qui a fait recherche pour jeune remède pour cancer. Et il a payé en pile l'argent pour ça. Et pourtant, si mon petit garçon là, l'école pas intéressé, rien pas intéressé. Son seul bagage qui est intéressé, c'est prendre drogue. Et monsieur, on l'a monsieur devant, même c'est pas avec petit garçon, mais qui ça me fait? Qui mal moins fait pour venir dans l'état ça? Mais on se comprend, non? Monsieur dit, ouais, dans la prison, mes bras avocats pour y aller. Pas grand, y'a mandé, moi, pas bas. Mais pour qui ça c'est on veut finir avec vie ou on va détruire vie ou et monsieur tu commences à faire informatique avec moi m'envoyer puis au moment m'a ouais monsieur encore monsieur qui est tombé dans drogue il est en prison et papa était venu côté me lui dit que il va faire une dernière démarche pour le retirer monsieur dans prison mais il dit cette fois il faut que dans pile bagarre avocat seulement pas suffit il dit est-ce que vous voulez témoigner que au moins monsieur voulait apprendre informatique pour montrer monsieur au moins quand il était intéressé avec l'heure pour espacer le droit mais on se comprend non papa plaider dans le tribunal tout bagarre parler avec juge Landé oui me dit oui il est dans classe mais il qu'on apprendre il apprend vraiment vrai mais droit là plus fort passer c'est même genre bon Dieu a parlé avec moi ma voix à pile fois c'est pas qu'on est nous pas qu'on est en théorie non que bon Dieu bon nous tout connait la connait bon Dieu bon hein? Mais on comprend, même si papa, ça, petit garçon, on connaît son bon papa volé. Il connaît le mal de ça, le besoin. Il connaît papa, voulait ça bon volé. Mais on va dire qu'il est plus fort que monsieur, la chair là. Et c'est même bagarre pour moi avoir. Et bon Dieu a plaidé avec nous. Papa a été écrit par un passage ça que nous sommes là, papa ça que nous avons rencontré. Qui sont absentis ou même, si c'est où tu es en place, papa ça, ou bien un maman qui est en place, ou bien un petit garçon, ou bien une petite fille, ou bien toute bagarre pour offrir. Mais on se comprend, non? Tout ça, si mon a besoin. Dans n'importe l'école, tu voulais aller ou payer, ou gagner un corps, ou gagner tout bagaille. Mais si mon n'a pas intérêt avec rien, autre que faire ça, qui pas dans volonté bon Dieu, qui pas conforme à même la société, pas même bon Dieu même. Mais ça a été adressé à Israël, même si tu l'as adressé avec nous. Parce que bon Dieu, c'est à peuple qui a parlé, c'est pas avec tout le monde qui a parlé là. Ça, c'est spécifiquement avec l'église, même si le peuple d'Israël, tu représentes l'église, bon Dieu. Pas prendre l'assurance parce que gagnons et ouais doctrinal qui fait qu'on y a dans l'église le fait que nous connaissons aussi l'Israël spirituel gagne plus monde qui pensait que bon Dieu pas rien à voir avec Israël encore non pas faire ça bon Dieu gagne en pile pour le faire avec Israël bon Dieu gagne promesse pour l'Israël physique il était fini prendre Israël il fait un grand rôle pour capable indiquer moi ma voix qui relation que nous pas gagne avec qui est que nous capable faire mais bon Dieu à cause de ça bon Dieu toujours en redevance envers eux. Bon Dieu toujours a béni tout côté qui est passé. Il y a une théologie qui est la théologie de remplacement. Qu'est-ce que veut dire que Israël physiquement, bon Dieu, pas rien à voir avec encore. C'est l'Église qui remplace Israël. Israël, ça allait même c'est bon monde qui est candidat à l'enfer. Non, nous sommes dans l'Apocalypse. Bon, l'heure pour arriver. Israël physiquement, bon Dieu, pas un plan pour lui encore dans la période de tribulation. Mais bon Dieu, a parlé à travers Israël physiquement, la parlé avec avant, après-midi, pour le plaider avec nous. Pour le moment, qui ça que le fait, non? Bien que nous-mêmes, c'est
Israël spirituel là que nous y est, mais message là était même pour nous même en tant que chrétien. Bon Dieu m'a dit non, qu'est-ce que nous gagne pour nous reprocher. Il dit comme ça dit Israël ça. Il dit est-ce que c'est parce que me sauver nous, bah vous il dit non, moi t'ai délivré nous de la servitude d'Égypte parce que nous avons des leaders qui ont marché avec nous, Moïse, Aaron, parce que le Balak a besoin maudit nous, moi m'ai choisi pour me bénir nous plutôt. Mais on se comprend. Et c'est où ça nous arrive? Et ça, bon Dieu a dit, là, pourquoi ça que nous avons des problèmes avec nous? Pourquoi ça que nous pas faire volonté? Pourquoi ça que nous pas une relation de père et fils avec nous? Parce que nous avons sauvé nous gratuitement de l'esclavage du monde. Et même pas l'abonnement pour moi, m'avoir. Parce que nous avons cet esprit qui habite nous. Parce que nous avons la Bible pour nous dire que nous vivons dans la chair. Parce que nous avons l'église locale pour nous encourager l'autre. Parce que nous avons don spirituel pour nous résoudre les problèmes. Je n'ai dans Corinthiens. Dans un Corinthien, pendant 11 chapitres, Paul étalait tout péché peuple en fait. L'église lui. Et puis, chapitre 12, Paul montre non, mais nous avons toute solution pour nos problèmes. Qui solution est don spirituel. Vous dites, bah non, don spirituel. Bon, qui ça nous reproche? Ça veut dire, qui ça nous reproche? Ou quand ça m'a reproché, bon Dieu? Ça nous reproche, bon Dieu, c'est nous t'arrêtons même à voir pour bon Dieu. Pour lui d'accord que nous avons vivre dans le péché pour continuer à bénir nos consacres d'aujourd'hui. Je comprends? Et puis le monde, c'est ça qui est contre bon Dieu. Nous allons faire un bagage qui passe, prendre des décisions qui n'est pas conforme à la volonté, qui n'est pas même conforme à la volonté de maman et papa, non, en pile fois. Et puis, mal arrivé, nous, quand nous avons bon Dieu, fixez-le. Quand j'ai essayé, fixez-le. Je comprends? Parce que l'ordre, fixez-le. Résolvez le problème, non. Mais elle n'a pas fait comme ça. Bon Dieu, il y a un principe, il établit le principe. Il dit, là, nous obéissons par l'homme, nous avons fait ça. Succès. Mais, si nous pas obéir parole et tout contraire à vrai tout mais c'est contraire à venir qu'on y a dit bon Dieu fixez-le si bon Dieu dit fixez-le nous pas jamais apprendre bon Dieu a un plan pour nous il a un plan de rédemption mais bon Dieu besoin de repentance d'abord mais on se comprend donc nous pas qu'à dicter bon Dieu qui ça pour le faire pour nous c'est ça que le mandé pour nous faire dans parole et pour nous juste faire nous pas rien pour nous reprocher bon Dieu moi-même ensemble avec vous. Et même ça n'a fait pour bon Dieu tout ça qu'on a fait pour bon Dieu qui monde qui bénéficie encore moi et ma veau. Songez ça. Verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Ça, c'est une belle question. Pour m'humilier devant le Dieu très haut. À deux termes. Seigneur même. Ok, on va parler avec. Mais qu'est-ce que vous voulez me faire même? Ok, je vais faire sacrifice pour. Je vais faire rituel, je vais faire religion. Je vais faire gloire. Ou, à vrai dire, on dit. Qui en dit encore pour grâce à la descente, moi, bah, une bonne gloire avant ça pour garder ça. Mal bonne gloire, mal chanté pour moi. Bon Dieu, c'est pas ça qui intéresse. C'est ça que l'a dit là. Il dit même là que nous voulons faire un plaisir, nous ne pouvons pas nous faire ça pour nous faire parce que pour ça, il n'y a pas de parole. Là, dans la parole, bon Dieu, on connaît qui ça pour faire bon Dieu plaisir. Je veux dire, nous avons pas quelqu'un qui a fait un bon bagage qui est contraire. Matthieu 6, c'est un exemple que je prends. Dans Matthieu 6, bon Dieu dit non, que nous allons jeûner, que nous allons prier, pas prendre un air qui est triste. Habillé non bien normal, mettez pas fait nous sur nous, on va pas besoin de ça qui passe, je veux dire qu'est-ce qu'on a fait. Mettez un robe blanc sur vous, debout, ouais, on connaît ça, on va pas le faire, oui. Contraire à ça, bon Dieu m'a dit. Donc, le, nous pas dans la parole, bon Dieu, mais avant nous faire contraire de ça, bon Dieu m'a dit nous. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Gardez dans la Bible pour vous connaître. Pour m'humilier devant le Dieu très haut, allez dans la Bible pour vous connaître. Me présenterai-je avec des holocaustes? Holocaustes, c'est toute offrande que nous brûlons. Qui a un aspect de moins dédié, moins complètement au Seigneur. Holocauste, allez dans la Bible pour qu'on insiste avec ça. Avec des veaux d'un an pour sacrifice, bah ouais. Allez dans la Bible pour la Bible, Dieu. Verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Est-ce que là, d'accord, si mal, des milliers de béliers, ouais, m'a sacrifié des milliers de béliers pour lui. Est-ce que ça va faire le plaisir? Allez dans la Bible. Des myriades de torrents d'huile. Est-ce que ça vous fait l'huile vider sur lui pour quelque temps? Allez dans la Bible. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, pour me travailler dur pour lui? Non. Verset 8, montrez-nous. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ça a bien, mais ça a bon Dieu besoin d'en même, mais ça a bon Dieu besoin d'en même, ça a besoin. Allons lire ensemble. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Bon, je dis à moi, avoir gradué, va vrai? Nous connaissons bon Dieu besoin, amen. Non? Pour nous pratiquer qui ça? Justice. Justice, je veux dire qui ça encore? Bonnes œuvres. Fais bonnes œuvres. Là, nous faisons bonnes œuvres. Qui vont nous bénéficier encore? Moi, avoir encore. Est-ce que c'est pour bon Dieu d'en faire?
Non. L'homme fait bonnes œuvres. Un monde qui devant maintenant, qui n'entourage mais qui a bénéficié. Il fait bonnes œuvres, bénéficié. Donc, n'a pas fait tête non bien. Vous comprenez? C'est nous qui avons fait pour nous. Nous ne pas faire pour bon Dieu. Nous ne pas battre encore. Nous ne pas séparer bien. Vous comprenez? Nous ne pas craser bien une l'autre. Nous ne pas voler une l'autre. Nous pas, etc. Donc, c'est pour nous encore que les bons. Deuxièmement, bon Dieu dit non que tu aimes quoi? La miséricorde. Nous connaissons la miséricorde, c'est aspect et c'est caractéristique bon Dieu qui veut dire que bon Dieu, par exemple, mon sa yo, mérité. Mon n'a fait mon bagaille, il va mon coup de poing, ça le mérite. Pour moi, il m'a un coup de poing tout, va, oui. Bon Dieu dit non, on m'a fait miséricorde. Pour ça, ça m'a avoir mérité devant bon Dieu. La mort, et c'est pas non la mort. Non, le salaire du péché, c'est la mort, bon Dieu, pas non la mort, non. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, c'est ça, bon Dieu, pas non. Dans mes écoles, les papas, non, ça nous mérite. Et bon Dieu dit, nous faisons même bagarre là. Oui, je connais mon enfant mal, il mérite pour mettre en prison, il mérite pour faire ceci, il mérite pour pas manger encore, il mérite pour pas occuper encore, il mérite. Bon Dieu dit, non, je ne vais pas miséricorde. Troisièmement, bon Dieu dit, non, ah, ça semble être plus facile, mais plus difficile, vous comprenez ça? Et que tu marches quoi? Humblement avec ton Dieu. Marcher dans l'humilité, papa, qui est facile. Non, dans la culture haïtienne, nous avons ça, oui. En d'autres termes, culture dit c'est moins, nous avons ça, oui. C'est moins que moins. Vous avez ça, vous avez dit, non? Ou c'est moins, ça, moins, vous avez dit, mais c'est moins que moins, oui. Vous avez dit, qui m'a parlé là? Tout le monde est comme, tout le monde est en. Bon Dieu, dis-nous marcher avec humilité. Et ça qui intéresse, bon Dieu. Religion, en d'autres termes, religion pas intéressé, bon Dieu. Ce n'est pas le nombre de fois venu l'église qui est intéressé. Moi, je comprends. Ce n'est pas comme cobaye qui est intéressé. Est-ce que venu l'église sont mauvais bagaille? Non. Mais ce n'est pas ça que je vais chercher. Li bon, mais pas ça que je vais chercher. Est-ce que contribuer dans l'œuvre du Seigneur sont mauvais bagaille? Non, mais pas ça que sauver. Et pas ça que je vais chercher. Et pas ça que sauver les autres. Tout. Autre nous aller, on prend tout orphelin, on prend un bail, on mange trois fois par jour. Mais on ne peut pas faire ça, bon Dieu, je fait là. On va maltraiter, on va pas manger. Pour qu'à dire mon coquin orphelinat. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qu'ils ont fait là? Ou pour mon droit maltraité, mais vous comprenez? Ou mettez un côté pour mon cas qu'on est, oh, ma prince, et bien, mais là, c'est bourré, couillé, c'est. Moi, je ne sais pas. Ou sont mal élevés. Non, il va savoir du besoin. Il va savoir du besoin. C'est de bonnes choses pour aider. Mais c'est face à la fête là qui intéresse, c'est bon Dieu lui-même. Est-ce qu'il a fait avec tout cœur, avec un pile humilité? David, tu reconnais ça? Le David, tu péché. Avec Bathsheba, il était écrit Somme 51. Bon, parti dans Somme 51, verset 16, mon qui a Bible anglaise, c'est verset 18, dans la Bible anglaise. Il dit non, dans Somme 51, verset 16, Bible française, verset 18, Bible anglaise. Il dit, bon Dieu, si vous avez le sacrifice, vous avez offert le sacrifice, c'est pas vrai? Alors, il va s'intéresser, bon Dieu. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Humilité devant, moi pantant, moi connaître ça me fait, c'est pas ça. Bah, c'est un peu important pour bon Dieu. Mais regardez, on va poser tête de question. Pour ça, bon Dieu, dire, oh, David est un homme selon mon cœur. David, oui. Mais vous comprenez, va les pécher, n'est-ce pas? Ou pas, je me pose tête de question ça. Mais pour ça, vous dire, mais David, comme ça. Parce que David font bonne erreur et pas bon dos, c'est la méditer, je vais faire tel bagaille, je vais prendre mon dame qui est battue, je vais faire comme on est pour me faire. Et pas ça, lui, il va aller et puis lâcher le parti avec elle. Et puis, on prophète venir, il dit, da, ça va faire ça. Et va faire bonjour. Pour ça, oh, mes amis, Seigneur, mets à genoux. Il prend sac sang. Le sac est la sang. Bon, il dit, wow, un cœur qui est toujours repentant. Il reconnaît l'elfe balan, il n'est pas ça. Comme si c'est pas un monde qui, Jean Romain dit, c'est pas un monde qui est ingénieux au mal. Ingénieux au mal, c'est un monde qui a utilisé tout génie pour le faire mal là. Vous David, pardon, est ingénieux au mal. Mais il fait ça, pas ça. Même j'aimerais m'avoir. Majorité de monde qui est la plus semblable à David que tout l'autre monde. Vous pensez que c'est Joseph là d'abord même? Joseph Yora, quel Joseph là? Mais majorité de monde qui est là, moi, m'avoir. Majorité de monde, c'est David, nous, il va, oui. Fait erreur après erreur, erreur après erreur. Mais ça qui est important pour son bon David. Est-ce que chaque fois, parole bon Dieu éclairée, et puis vous repentir?
chaque fois on bat de parler avec mon nako ça on bat de prendre ça on bat de garder ça on bat de aller là on pas c'est pas vrai et pour nous pas tourner encore nous pas tourner encore ou j'aimerais David tourner encore David dit bon il y a que ben Bathsheba mais j'ai son l'autre papa il va faire ça Maran se comprendre il repentit une fois pour toutes et le même le péché a des conséquences sur le peuple à cause de lui. Même le Seigneur, c'est moi pour finir avec lui. Finir avec nous, Seigneur. Quitter le peuple en repos. Finir avec moi-même. C'est moi coupable. Il reconnaît que c'est le coupable. Et il voulait prendre châtiment dans mes bon Dieu pour culpabilité. Moi, j'étais lié à M. Traduli, c'est un anglais, je me connais si je traduis bien, qui est de l'auteur que Charles Spurgeon, qui était un gros théologien anglais, il dit vraie humilité, c'est leur qu'on la vraie humilité est de penser à juste titre de soi et non bassement. Humilité pas veut dire ma propose m'a rien et pas ça tout son fausse humilité le connait tout et m'a comprendre que m'ai pas gonflé mais en même temps tout identité c'est dans Christ que lié. On connaît pas que besoin dans la chair mais avec Christ je puis tout par celui qui me fortifie parce que quand il y a fausse humilité ou elle fait contraire et puis son bluff lié pour montrer mon homme humble vrai mais bluff. De Oli dit que lorsque vous êtes conscient de votre vraie identité, vous serez humble. Car vous ne trouverez rien à vous vanter. Être humble vous mettra en sécurité. Être humble va vous rendre heureux. Être humble va faire de la musique dans votre cœur quand vous vous réveillez le matin. Être humble, pardon, je dis bien mal, la musique de votre cœur quand vous allez au lit le soir. Être humble et vous vous réveillerez chaque matin à l'image de votre maître. C'est Charles Spurgeon. Verset 8, là, m'a reprendre encore. Deuxième partie, hein, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville. Et bon, tu as montré, mais ça m'a reproché, nous, mais yo. Nous pas pratiquer justice là, nous pas pratiquer miséricorde là, nous pas marcher humblement devant qui Jean, mais bon tu vas montrer qui Jean comment. La voix de l'Éternel crie à la ville et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un effat trop petit objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses? N'a pas faux mamite et bien n'a dit n'a marché humblement devant mon Dieu que nous dit n'a pratiqué justice. Verset 11, et avec de faux poids dans le sac, elle dit nous sommes magouilles. Verset 12, ces riches sont pleins de violence, ses habitants pour faire le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Pour ça mille fois ouais bon Dieu frappe riche parce que bon Dieu comme ça l'a dit bon Dieu va dire tout le monde qui riche c'est magouille au fait non. Je connais que la majorité des riches dans le monde, c'est ma gueule, fait vraiment. En pile, découvrir Saint-Paul, découvrir Saint-Pierre, déranger Bagayo, entrer dans la politique, acheter président, acheter. On va une bonne manipulation qu'on fait. On va, comme nous va faire politique, nous sommes obligés pas de parler d'Haïti, mais nous parler des États-Unis, là, oui, l'autre pays, ça, parce que la politique des uns ressemble beaucoup à la politique des autres. États-Unis. Je dis, hein, en pile. Mon américain dans 50 ans passé là, pas juste américain, mais dans le monde entier, mais plus américain. Nombre de milliardaires dans le monde doublé dans 50 ans passé là. Vous entendez? Nombre de milliardaires dans le monde doublé. Pour ça? Parce que soit il y a une récession. Récession veut dire que l'économie pays en Europe, les États-Unis, t'as mal marché. Mais mal marché pour qui? Pas pour grand nègre. Vous comprenez ce que vous comprenez? Mal marché parce que les nègres qui ont fait trop de cob, mon pas qu'à joindre. En pile monde perdit caillou perdit pour l'autre monde comme si vienne milliardaire. Mais quand se comprend non, 5 dernières années ça s'est passé là oui? Pendant l'économie mondiale en tête en bas et puis nombre de milliardaires yo doublé. En pile monde ça yo contrôle les gouvernements yo. Yo qui contrôle toute bagarre dans pays ça. Yo dans pays États-Unis là France yo qui contrôle mafioso yo qui contrôle gouvernement yo. Donc les bons chefs frappent bon Dieu frappe fort parce que bon Dieu connaît vraiment votre pile bagarre qui fait qui pas ça mais pas toutes. Gen monde qui fait comme yo bientôt. Mais il y a un pile grand nec dans le monde qui rend bagaille. Pour ça, un bon pays en Afrique a souffert. Un bon pays en Asie a souffert. À cause de ressources qui ont dans le pays. Je me suis dit, dans le film, qui a dit, est-ce que l'or et le pétrole dans le pays sont malédictions liées? Je me suis dit, non. Parce que la majorité des pays en Afrique qui ont le pétrole là-dedans, c'est toujours dans la guerre civile.
Parce que les gens qui besoin de voler pétrole, il faut faire guerre civile, on va chirer pit, on a bataille, pendant mon bataille, on a mouru, et puis on va exploiter l'or, ou bien pétrole, ou bien cobalt, ou bien. Vous comprenez? Donc, bon Dieu, ça que bon Dieu toujours frappé. Il dit nous encore, verset 13, c'est pourquoi je frapperai par la souffrance. Je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier. Vous faites tout comme blanc. Et puis, il va quand même satisfaire. Vous comprenez ce que vous comprenez, non? Ou riche, mais riche, ça va pas faire rien pour vous. Et la fin sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Il va prendre la main. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Tout ce qu'on fait, c'est par l'empile. Et c'est vrai. Moi, regardez, on dit ça déjà, mon cap deal drogue, par exemple. Ou pas, j'aime un drogue dealer, il se rete, ou t'en dis qu'il rete, puis il retraite. On ne dit pas ça? Non. C'est ou bien il y a tout yéli, ou bien comme si il faut qu'il fait, ou bien il est en prison, comme si tu finis mal. Il fait comme. Quand il y a un drogue dealer Mexique, il n'y a pas un millionnaire encore. Quand il y a un drogue dealer, c'est un milliardaire qui est là. Mais dit depuis les négatifs millionnaires, pour ça même je connais que le milliardaire qu'on y a. Mais quand tu comprends, pour ça pas tout disparaître, les gueules des millionnaires. Non, plus toujours. Et à une fois même nous-mêmes chrétiens nous entrons dans la logique ça. Il raconte l'histoire de Rockefeller qui était un chrétien américain qui est une pine qui depuis riche dans l'époque palais, dans le commencement du 20e siècle là, dans le milieu 20e siècle là. Et puis tout le monde a dit mais Rockefeller, bon Dieu, gars appelle sauvé au mal fait travail. Bon Dieu, Dieu dit que pas le travail bon Dieu, mais moi t'aime je fais un petit cal l'argent plus encore. L'aime fini ma bombe braler. Mais petit cal l'argent ça pas défini combien lié. Chaque temps vient plus riche, il besoin font petit cal en plus. Et puis il parti avant un petit cal en plus. Eh bien, mais ça donc il a toujours besoin encore en plus. Il pas jamais satisfait. Et ça mon Dieu a dit là. Hein? Nous gain mais pas jamais rassasier. Il sera ce que bah la fini avec. Mais ça se dit, on observe les coutumes d'Omri. Ah, c'est à faire ancêtres, nous qu'on a fait. C'est pas pareil, pam, et pas la Bible, et pas volonté. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Mais ça, bon, j'ai approché nous. N'a fait péché en sept nous yo. Bon Dieu a reproché non, c'est pas le fait que nous péchons non qui gros bara là non pour bon Dieu. C'est absence de repentance là hein. Bon Dieu connaît nous tous c'est des pécheurs. Nous faisons un péché. C'est pas ça qui bail bon Dieu problème non, mais c'est absence de repentance les bon Dieu ouvre les yeux non pour nous comprendre et puis m'avoir que non on jamais mal pour pas conscience dans ces bagages. Pour nous abandonner ça qui pas conforme à la volonté de Dieu hein. Pour nous connaître que c'est bon Dieu qui c'est solution. Hein. Et ça veut dire que nous attirons malédiction contre nous. Verset 14, 15, 16, montrez ça. Lui dit dans le verset 16 là, il y a pour observer les coutumes d'Omri, les coutumes d'Akab, au lieu qu'il fait sa bonne demande. On regarde rapidement qui coutume Akab dans deux trois versets bien rapides. 1 roi 16, 25, par le nom de Omri. Omri, c'est un général dans l'armée. Et puis il était fait une révolution, il tue roi. Et puis lui-même, il prend place là. C'est Omri ça. Donc, c'est un criminel. 1 roi 16, 25. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Mais écoute, le monde qui a copié, le monde qui fait barrer qui mal devant mon Dieu, c'est ça que le peuple a copié, comme coutume, verset 26. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Irritant par leurs idoles, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est Omri. Et pourtant, bon Dieu dit, c'est coutume. Et Omri a observé. Ensuite, il dit non, et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Akab qui m'a engueulé. Akab, c'était petit Omri. 1 roi 16, 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Ça veut dire plus que Omri lui-même. Omri de fait ça plus mal que tout le monde avant lui. Eh bien, petit Omri lui-même, il met dans l'autre niveau encore lui-même. Il fait plus que papa en termes de mal. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus
plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis même monde qui a imité yo. Pendant ce moment-là, vous dites même monde n'a pas imité yo. C'est coutume. Coutume, c'est un peu fois moi avoir mal pour réaliser, mais faut nous mener la caille, ça n'a pas dit. Mener la caille. Mais c'est qui ça qu'on observe? Coutume, tradition, ancêtre ou bien parole bon Dieu? Mais vous comprenez? Comme ben bagarre bon affaire, c'est tradition, ancêtre oui. Je dis, nous avons manifestation dans la rue, Port-au-Prince, toute la journée. Et n'est pas ça qui est problème, non? Tout le monde doit manifester. Mais c'est destruction bien. Pour ça, nous avons besoin d'aller pour incendier, pour gazoline, mon nom, qui vient pour prêter la banque pour la faire business. Mais quand je comprends, ça a mal devant l'Éternel. Nous connaissons l'être de gain émet de la fin, on va quand ça arrive. Même j'ai crassé pour gazoline, ça va être passé. Moi, ça là, je montre là. Ça image, Port-au-Prince, moi, ça là. Petionville ou bien dans l'autre zone ou capable ouais mais gain manifestation parce que chaque jour n'a pas de prince m'a connu comme ça mais ou gain tout droit pour manifester mais quitter bien mon en repos sans besoin craser machine monde gain monde là c'est fin redi travail pour faire petit comble pour acheter petit voiture bonne pour circuler pour le régler business li et puis il pas connait gain manifestation parce son côté pour craser machine là il fait sens bah ça pas faire bon Dieu plaisir yo pas faire bon Dieu plaisir. Parce que ça, c'est coutume sept nous yo qui n'a fait couper tête boule caille, même si nous ne connaissons pas qui n'a coupé tête là, qui caille n'a boule. Vous comprenez? Il n'y a pas fait sens. Moi, je me levais dans la famille chrétienne, je me suis mal dans le carnaval, je me suis dit, je ne sais pas, mais pendant que je suis dit, je fais un coup de guidon qui quitter l'église. On a un grand ami qui est un bon ami, qui levait l'église avec moi, même si tu quitté l'église avant. Monsieur était dans le carnaval libre. Un jour, monsieur prend, monsieur dit, non, il faut qu'on se bat là, il faut faire expérience là. Mais quand je comprends, un peu de fois, monde, c'est que ça le prend, ouais. Au faut faire expérience là, même pas besoin faire expérience là. Mais là ça le dit pour moment, au faut faire expérience avant pour m'entraîner en bande, m'a pas avant c'est intellectuel au balier. On met le convert au ça Satan, hein, moi ça va. Et puis bon d'accord, OK. On va regarder ça. Même si c'est rentrer dans bande, puis passer mon soufflette bla. Mais quand tu comprends non? Que si ça c'est Satan, hein. C'est Satan. Juste rivé pour ça. Et qu'on y a même les fâchés m'a couru derrière mon nom, pas jeune mon nom, et puis m'fâché, m'besoin mon nom pour me remettre ce fait là. M'dit, non, 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 quittez mon nom, remettez tel lit. M'dit, même pas dans le corps d'avel. M'dit, moi je suis dans le corps d'avel, remettez votre mon lit. M'a pas compris, non? T'es chargé, ouais, ça. T'es chargé. Même en dans l'église, il y a un café pour dérouter tout. Faut faire attention, hein? Moi, j'ai quitté l'église parce que je pensais que mon église était trop hypocrite. Il y a des gens qui ont passé ça devant. Mon église est trop hypocrite. Je suis bien content là. Ou en de bonnes compagnies. Nous tous sommes hypocrites. Amen. Nous tous. Vous pouvez vous dire ça, c'est pour l'autre photo que je montre là. Comme si, la semaine dernière, grand pasteur adventiste, ça n'a rien à voir avec adventiste. Donc, je m'a dit là. Et pasteur, oui, m'a parlé de la religion adventiste. Et parce que M. Adventiste, lui, me dit Adventiste. Mais ça n'a pas un reflet sur Adventiste. Est-ce que vous comprenez? M. était carrément, et puis, il dit pas un bon Dieu qui existait. On ne vend pas un bon Dieu qui existait. Pour ça, parce que il y a Satan qui a cité pour le faire ça, pour le dire ça. Et puis, moi, je vais voir qu'on y a qui est garé, pour le faire même avec, on vend, expérience que je fais, ou pas le nécréter pour dire, bon, ça va hypocrite, je vais pas l'église encore, puis Satan pour moi, vous comprenez? Pas occupé, bagay sa yo. On n'a pas fait erreur que moun qui passe devant nous yo fait. On n'a pas commettre péché que moun qui parle l'église jodi en fait. Les péchés d'Omri, les péchés d'Akab, en sept nous yo, moun qui passe devant nous yo. Nous n'avons pas besoin de faire une expérience que yo fait. Monsieur dit pas que bon Dieu, ça c'est business pas monsieur. Moi, je connais bon Dieu réel parce que je fais expérience avec elle. Amen. Moi, je connais bon Dieu réel tout. Je fais expérience avec elle. Et pas tradition, pas ça qui passe. C'est parole bon Dieu, bah non. C'est la parole bon Dieu. On a parlé avec un monde avant service là, même gens que on a parlé expérience que nous avons fait avec l'église là. Première fois que nous avons la Sainte dans l'église là, moitié monde l'église là pas tourné encore. Pour une bonne raison et peut-être l'aime pas raison, peut-être moitié monde pas tourné semaine prochaine. Raison pour une fois nous à l'église, l'église pas dans pile monde ça, peut-être en 20 combien monde qui était l'église là. Et puis première fois nous à la Sainte et puis moi dis tout le monde qui fait la paix avec le Seigneur, il est éligible pour la Sainte. On ban mon GTO et pas tout encore. Et puis après ça, il y a des gens qui viennent confronter sur ça. Je dis, bon, si mané, ouais, prends la Bible, corrigez. Et pas tradition, je viens faire. Je ne sais pas si vous comprenez.
c'est pas religion, c'est pas tradition, c'est parce que ancêtre m'a été fait, même si c'est pas ancêtre coupé tête boule caille. Mais en cette là qu'attendre dans l'église, mais c'est la fin de l'église. Il faut me questionner tout. Est-ce que c'est la Bible littéraire? Est-ce que c'est la Bible? Et puis, jusqu'à maintenant, je suis confronté à ça, mais beaucoup de gens qui convaincent moi bibliquement. Il faut que j'ai un texte pour moi, pour dire côté faut baptiser pour sauver. Il y a dans tout élastique, bagaille, mais c'est grand chose. Du tout. Parce qu'il ne faut pas comprendre que l'on fait la paix avec le Seigneur ou prêt pour la sainteté de Dieu. Mon bon prêt pour yon symbole que nous sommes achetés dans la maquette de yon. Ah oui? Mais quand tu comprends? Ben, il m'a fait sens. Quand le monde qui a parlé de la Sainte Seine, il a dit que dans l'église, côté que lié, que le monde n'est pas d'accord pour baïti vert dans la Sainte Seine. C'est dans seul bagage pour tout le monde boué. Il dit, moi, je vais dans l'église, je ne vais pas prendre la Sainte Seine. Parce que ça n'est pas hygiénique. Mais quand tu comprends? Imaginez pour nous tout qui là, ouais, mon qui là, pour nous tout à prendre nos calices, na boue. Gé mon lac malade, pas même qu'on est malade même. Tout prier bon Dieu pour trouver maladie, aller ou pas même besoin qu'on est, bah oui. Mais attendant, ou quand malade là ou pas qu'on est. Et puis, ou dit, bon, puisque c'est communion fraternelle, t'aimes pas ces maladies, bah c'est un tel, bah il faut un tel, à nous tous malades, nous finis, bah oui. Au nom de l'éternel, à nous tous mourir, tout jamais se dédier. L'air dit là, ça malade, on a le mourir avec elle. Jésus, comme si elle dit, monsieur. Il n'est pas dit le mot à mot comme ça, mais comme Jésus dit, imbécile, Jésus dit, c'est mourir, l'abdomen, il dit ça que, eh bien, c'est l'abdomen, pas mourir. Jésus dit, il mourit, égaré. Et puis, par contre, il dit, vraiment, non, va mettre un petit bas. Et puis, il a fini de mourir, égaré, et puis il dit, on a le mourir avec elle, oh, ou pied égaré toujours même. Mais ben, comme il dit ça, fait, comme ils sont bannés égarés, nous, on va nous malade, on nous tout pour maladie avec elle, on nous tout mourir avec elle, oui. Et bien, que nous tout mourir avec elle, qui va occuper petit lien, quel qui était derrière. Mais quand vous comprenez, nous pouvons être, non, ce n'est pas tradition au mri, ce n'est pas tradition à cap qui intéresse nous, même si à cap dans l'exalté, ou bien c'est parole bon Dieu qui intéresse nous. Il faut nous très, très, très radical dans ce sens-là. Parce que nous avons une société qui a fini dans nous, dans vos émotions, JPP, JTT, sous tout le monde. Eh bien, JTT, JPP, j'en ai passé le passé, j'en ai tombé le tombé, là dans l'église haïtienne, nous, ou comme ça? Mais c'est la Bible qui vous dit, la Bible pas dit faire JTT, JPP. La Bible pas dit ça. Il dit, bon Dieu, son Dieu d'ordre, de discipline, bon Dieu a planifié. Il dit, non, avant la fondation du monde, jour pour Jésus-Christ mourir, tu es en train de s'étendre déjà. Mais quand tu comprends, bon Dieu a planifié. Bon Dieu a planifié. Et puis moi-même, je suis bon, bon Dieu m'a servi, mais vous montez, j'en tombe, il tombe. Non, non, pas comme ça. Quand nous avons joué, là, quand nous avons joué, après-midi, que nous venons là, où est ma bille anti-genre, Michel Bé, oui, on va dire. Son côté comme si qui est très strict sous l'œil. Yo dit non, il a commencé à 2h. L'emboule 2h moins 10 que de l'heure pour finir setup, m'étais paniqué parce que me connais que li finir setup, qu'il pas finir setup, il a commencé. Mais on se comprend, mais faut gain l'ordre, on connaît. Gain l'ordre là, ça 2h a commencé, 2h me connais a commencé. Et vraiment vrai, 2h. À peine c'est fini puis 2h arrivé tout ça pour faire la fête. Ça c'est l'ordre, c'est discipline. C'est comme ça bon Dieu voulait que nous y ait tout. Bon si nous pas comme ça et puis dans le côté ça nous dit non, c'est mon bon Dieu nous y a qui a fait 2 heures là. On commence à 2h30 plutôt non. Il y a des chocolats tout bon Dieu là. Mais quand tu comprends? Gain l'ordre, bon Dieu son Dieu d'ordre et de discipline lié. Et faut nous garder tout notre travail yo. Notre activité nous yo. Comme si qui ça qu'on a traité monde qui dans travail avec nous, qui l'école avec nous. Qui on a traité bien monde yo tout. Parce que, ancêtre nous dit non, dégagez pas péché, on prend toute qualité bagage, ça c'est ancêtre, c'est Omri, c'est Akab. Mais est-ce que ça, bon Dieu, dit non fait? Bah, c'est très important, bravo. Qui sont contraités, bien travail, côté. Parce que, ancêtre nous dit non, nous ne pouvons pas faire mon riche, nous ne pouvons pas faire mon travail riche. Parce que, ancêtre dit non. Mais est-ce que ça, bon Dieu, dit lui-même? Et dans tout détail ça pour aller moi ma voix dans tout détail ça quand nous finissons bon bail pas marcher mais bon Dieu dit péché qui conséquence vous comprenez bah pas marcher parce que nous pas voulu marcher qui j'ont traité machine dans monde si son chauffeur ou bien si son mon yo machine qui pour rouler dans entreprise cotoyen dans ONG cotoyen gars monde qui pas qui en gars ONG que me connaît que un monde qui a plein dans quelque ONG que machine yo pas arrangé parce que même d'après faire entretien machine dans monde dit le besoin yo qui pas avec il pas aller pour entretien c'est la machine tombé net il pas fin de ça pour venir elle fini mais quand tu comprends est-ce que c'est quand ça fait bien pour là mais quand tu comprends c'est pas ça t'a fait avec si c'est quoi bouc ta chèle et pas ça t'a fait avec
Et bien, on ne peut pas faire avec ressources comparées à ça. Non, c'est pas, même si ce n'est pas comme pour lier, mais bon Dieu, bon gérer, les bon Dieu, dans Colossiens 3, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ça, c'est parole, bon Dieu. En cette langue, que nous ne pas faire mettre travail riche, mais bon Dieu dit non, faire travail là, comme Dieu, c'est pour l'Inde faire. Et bon, nous avons choix, vraiment, avoir. Qui nous a fait plaisir? Bon Dieu, ou bien ancêtre nous, ou bien Omri, ou bien Akab. Vous ne comprenez pas? Parce que Akab nous, Omri nous, a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il y a un pays ça, mais qui paye nous-mêmes, nous avons quitté pour nous venir. Bah, ça, c'est important pour moi avec vous. L'objectif, bon Dieu, c'est pas comme si pas punir nous pour à gauche à droite, bon, on a fait péché, bon Dieu, calé, non, bon Dieu, voulait sauver nous. Tout avertissement, ça, tout enseignement, bon Dieu, qui était pour nous, c'est pour sauver nous, parce que bon Dieu connaît ça qui marche lui-même. Bon Dieu, omniscient, pas omniscient, pas omniscient. Ou pas connaît ça qui a gagné Haïti demain, si Dieu veut, non, ou pas connaît ce qu'on veut. Mais bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît. Donc, la prépare aujourd'hui pour ça qui a gagné demain. Fait ça que le dit, tout le monde marche en forme, demain, si Dieu veut. Je vais regarder dans un article, dans Internet, la semaine dernière, il y a une carte du monde avec toute maladie qui est là. Il n'y a pas mal pour elle. Côté les fois que c'est ouvert à l'ouel, mais si vous cherchez le cas ouel, c'est l'image côté les sorties en source là. Pour on voit chaque couleur montrer qui type de maladie que mon pays ça mourir plus. En bande de qui type de maladie. Et puis ça t'est étonné pour moi qui type de maladie capture haïtien plus que toute maladie. Qui maladie vous pensez? Si vous regardez comme ça, côté recherche là, après c'est sida. Même pas comme ça, non? Je ne comprends pas. Parce que tellement de campagnes qui ont fait longtemps, on a pensé que tout le monde, comme si comprendre le mouvement, comme ça, pour y faire, même les gens qui n'ont peut-être pas cœur de bon Dieu ou bien de parole bon Dieu, au moins, tu as pour de tête pour santé, non, si tu as capturé Haïtien plus que toute maladie là qu'on y a, ou pas faire une idée de ça, non? Je ne comprends pas. Imaginez, ou même qui dans le monde là, qui n'a pas rien à faire ça, et puis on n'a pas fait sauver, et puis on mourit tout. Mais bon Dieu lui-même lui omniscient, il connaît toute bagaille. Bon Dieu ba nos paroles, il dit nous fais ça parce que moi-même moi connais futur là, moi connais de même connais ça qu'a fait, moi capable protéger à nous faire volonté lui. Problème non, devine de conséquences péché, pas colère bon Dieu. Bon Dieu pas diverses colères, depuis me faut bagaille qui passe ça. Non, c'est pas ça me pas même capable devant la jodian non. Bon jodian là me fait un peu le mauvais sens au midi Seigneur peut-être est en retard. Les me fâche pour saluer, pas saluer, pas d'accord pour saluer, parce que en retard. Je ne sais pas si vous avez un disqualifié pour me prêcher là. Je suis bien fâché, mais là, au fin, je suis tellement bien joué. Je suis relax. Je ne sais pas. Mais je suis fâché. Je suis en colère. Pardon, bon colère. Je suis bon fâché. Bon Dieu, pas puni non, peut-être. Ça ne fait pas ça, non. Bon Dieu, pas puni non pour ces péchés qui ont des conséquences. Tout colère, bon Dieu, c'est pour la fin. Nous avons ça dans l'Apocalypse. Passage, ça, son accusation contre nous. Que lié. Bon Dieu montre nous que nous n'avons pas rien pour nous reprocher lui-même. Mais pour ça que nous n'avons pas fait ça que nous demandons de nous faire. Verset 1er chapitre 7 dit malheur à moi, m'appelle chapitre 7 là bien rapide. Malheur à moi, car je suis comme la récolte, à la récolte en des fruits, comme au grappillage après le vendage. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. Attendez ça, l'homme de bien a disparu du pays. N'a pas tenu celui tout à l'heure. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. En deux termes, on a fait magouille. Chacun tend un piège à son frère. L'homme vient en Haïti. Venez ça, il y aurait elle pour vous. Et comme si tout côté balé, on a piégé. Mais je fous maintenant pas chouin. Pourquoi de même? Pas seulement en Haïti, non, pas là. Tout le monde tout, il m'a pas chez dans Amazon. Mon histoire c'est pour comme si gosse le bouton était mettre un bacon ça des clic bouton ça tout bagage en fait. Oh bon comment là que t'as passé même pas connaît juste à cliquer en bas ouais. Et là me dit bon il pas mon choix me faire comment là que t'as passé. Il a baissé pas comme là vite dans mon pour pas changer l'idée. Tout qu'on a baissé piégé au verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Ah, nous comprenons pas ouais. Pour une justice, il faut payer. Il faut payer. Je dis là, nous avons fait un affaire dans l'État là. Mon nom est clair avec nous. Dis-moi, sortis-moi ces temps et transport par la donne. Transport à pas. Tout doux ça. L'État, oui. Et après, nous allons laisser. Ou bien, on va faire un service. Et il est tout clair avant. Le grand manifeste dans son avidité. Et ils font ainsi. Cause commune. Dans le terme, il y a toutes ces mêmes.
Le meilleur d'entrée est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Et comme c'est même ça qui. Bon, je ne dis plus bon, ça qui moins malin, comme si c'était pour maillon piqué. Vous vous comprenez? C'est épine. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. Parce que le péché a des conséquences, c'est alors qu'il sera dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Vous vous comprenez? Non, pas que monde, pas qu'à faire monde confiance. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Dieu pour finir parler le que tu as porté dans le monde. Vous vous comprenez? Non? Mais on ne peut pas faire mon confiance. Verset 6, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que je m'avais expérimenté ça, mais je dis même dans le kidnapping, il y a un kidnappé, c'est bluff lié, c'est pour maman qui est New York, vous voyez quoi, papa New York, vous voyez quoi, mais ça a dit là. Je ne sais pas si c'est vrai. On a piégé même propre maman, propre papa, je ne sais pas si c'est vrai. Tête en bas, oui. Mon verset qui est plus intéressant, verset ça, c'est verset 2. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. C'est un signe que une société a opéré loin de la face de Dieu. Ou bien une organisation a opéré loin de la face de Dieu. Lorsque qu'on y a un monde de bien pas entré dans rien encore. Mais on se comprend, non? On prend un côté pour un monde de bien pas fourré, mais. Elle dit, oh, mon papa, on a ça. Donc, son si balance fini vraiment, oui. Que tu étais politique, que tu étais en organisation, que tu étais pour tout le monde de bien, pas main. Parce que si on main, c'est dans le bras sale. Donc c'est magouille seulement qui a frappé. Mais si ça a fini, ou bien organisation ça a fini. L'église, là, tout. Tout le monde de bien a quitté l'église. Bon problème dans l'église, ça. Hein? Même si je passe l'église, je m'appuie tout le monde. Parce que la Bible dit ça. Tout le monde bien à courir, c'est que vous n'avez pas ça. C'est ou bien nous chercher le problème, nous pour nous résoudre, ou bien nous jeter ma veine. Malgré que nous ne sommes pas prêts, parce que nous ne connaissons que le pape marche encore. Et je ne fais pas partie avec le pape marche, je pour mettre tête ça. Quand on malheur à la porte, le tout le monde qui est de bien, a mis dehors pour ces méchants qui ont dirigé. Dans le contexte pas nous, dans le contexte pays, dans le contexte environnement, dans le contexte que nous vivons, ça que nous devons faire là, ça. Ça demande, là où il y a mal marché comme ça, une repentance qui besoin fait. Nous besoin vivre parole bon Dieu plus que tradition obrio, plus que tradition akabio. Et ces messages ça que fin livre là ba non, verset 7 là ça l'a dit nous là. Nous besoin changement pour nous venir produire plus monde de bien. Parce que tout monde de bien rejeté mais faut nous produire l'autre. Verset 7, pour moi je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. M'appartenez sur ça tout à l'heure. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assise dans les ténèbres, ça c'est Israël qui a parlé là. La nation, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Ça c'est ça. Que David t'a dit, c'est assisté de David là, qu'il prend là. Que me connaît, ok, péché m'a des conséquences. Bon, j'ai calé vraiment, mais la défense de cause, parce que je me repenti, je vais prêter là dans le péché, en fait ça que pas ça. Verset 10, mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Pour qui ça? Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? On m'a montré que je me fais bailler, on dit l'Éternel, l'Éternel. Coute l'Éternel, loin, il va te sauver déjà. Mange, on va te dire ça? Eh bien, bon Dieu, tout doux ça. Pour qu'on ait bon, j'étais qu'à faire provision pour ça déjà. J'étais qu'à qu'on ait mon parle de ça déjà. La indique ça pour qu'on ait pouvoir prendre un piège. Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Mon qui devait me faire mal, même j'avais l'an. Le jour, verset 11, le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, en parlant Israël. De l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre, le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paix ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il pèse sur le Bazan et en Galarade, comme au jour d'autrefois. Verset 15. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Donc, bon Dieu, à notre thème, bon Dieu dit qu'il vient pour revisiter le peuple encore.
Même expérience qu'on te fait, l'on te fait la paix avec le Seigneur. Ou venir entrer dans l'esprit de religion. Bon Dieu dit, je suis capable de faire même ça avant encore. Fricheur qui dégaine, l'on te fait la paix avec l'an. Pour dire, miracle qui a opéré dans la voie, que Satan est en prière dans la main, bon Dieu veut restaurer. Verset 16. Les nations le verront et seront confuses. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lècheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Est-ce que ce monde qui est sauvé? Qu'est-ce que ça importe pour vous? Si vous pas sauvé, mais ça c'est pas pour vous. On va pas dire, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Si vous pas sauvé, il pas le Dieu de mon salut. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce qu'on admet que son pécheur, qu'on pas capable de sauver tête pour? Malheureusement, il y a des gens qui ont fait fort, je dis, hein, pour sauver tête. Il n'est pas capable. Mais son signe, qu'on pas gagne humilité, l'on va essayer de sauver tête. Maintenant, sous réaliser ça, c'est comme si vous pensez qu'on peut mettre tête dans le même point avec un bon Dieu saint pour venir saint ou pour une relation avec elle. Non? C'est lui qui vous sanctifie, ou pas capable. Ou bientôt, est-ce que vous faites la paix avec elle, mais vous péchez dans la vie ou bien dans la vie, qui m'a de repentance? Repentance sont preuve que moi avoir sauvé. Et ça fait ouais bon Dieu te remet David là que n'a parlé de lien. Repentance parce que il pas arrêter à faire ça qui pas ça. Une fois que nous reconnaît ça pas ça, il va vague. Donc bon Dieu veut bravo pour nous même attitude ça tout. Son preuve que nous sauvé. Réalité de pays ça côté que n'a vivre là. Et comme si fait nous penser si nous observer parole bon Dieu nous fait nous pas marcher, mais comment ça comprend? Mais qui monde qu'on veut faire confiance? Qui monde qu'on veut obéir? Monde là qui dirigeait par Satan ou bien bon Dieu avec parole qui dans la Bible. Et demi a continué à demander non toujours. Dans la situation côté coyé hein, verset 10 là, où est l'Éternel ton Dieu? Côté bon Dieu a servi hein. Puisque mon Dieu pas faire rien pour te montrer que j'ai pour bailler fait, te mener côté pour faire comme blanc. Qui ça qu'on fait ou même? Ou grand choix devant. Ou grand choix devant. Bon Dieu pour mettre la exaucer non. C'est n'a vivre façon que le veut que nous vive, pas à la manière du monde. Ou il a fait des erreurs même avec David. Mais moi avant même j'ai avec David tout nous connaît pas de repentance là ya vrai nous connaît pas de repentance là David fait pile ouais même j'aimerais avoir n'a fait pile ouais tout dans la vie ça pendant que nous dans la chair mais nous pas prêter à enlisser dans la balle ou bien à bader dans la boue hein. Verset 18 nous connaissons bon Dieu qui a pardonné nous et il est toujours prêt pour le faire ça il est un Dieu de pardon. Verset 18 n'a terminé avec 18 et 19 qui dit non jusqu'à 20. Quel Dieu est semblable à toi? C'est le message, non? Et vrai? Quel Dieu est semblable à l'Éternel? Pourquoi ça? Il pose la question. Parce que le poursuivre, vous le dites, non? Qui pardonne l'iniquité? Au contraire, l'iniquité, iniquité avec péché, quand c'est différent, si? Péché englobe tout bagaille, ni iniquité, ni tout bagaille. Mais, en plus, péché, moi, avoir fait, nous pas conscients de eux, nous pas connaissons ça. Si bébé en péché, mais est-ce qu'on connaît la péché? Mais ils sont péchés quand même. Mais il pas commettre iniquité. Ça veut dire, il n'est pas conscient que ça n'est pas bon, et puis il fait le quand même. Vous comprenez? Il dit que c'est le connaît bon, pas bon. Nous connaît pas bon. Moi, avant, nous, tout qui la connaît, ben, m'en dit, pas bon. Vous avez? Mais, à pile fois, il fait quand même. Je dis, non, quand ça arrive, je dis, c'est un monde qui peut dépasser, alors qu'il y a un business, la Kaélé. Je dis bien, malgré qu'il y a un business, la Kaélé. Pour l'église. Même, on a pensé, c'est Wembin Well. Il n'est pas là, mais l'aide de dépasser, on a pas mis un plus bel texte. Que j'aime recevoir dans SMS. Imaginez un garçon qui a beau, bel petit jeu, témoin, bah, imaginez, bel bagaille. Que me dépasse, ouel bagaille. Kounya, ça moi-même, pour me ta dire, pour me ta répondre. Oh non, désolé, madame, ouel, mette le bagaille, m'a réglé, mais m'a joué, non, et ça me ta dire, là, oui. Mais jusqu'à maintenant, m'a jamais dit ça, vraiment, non. M'a quand même compris, mais qui ça réglé? Et m'a menti, lui. En prochaine fois, kounya, m'a fait le conseil encore parce que kounya, m'a dit, apprendre ni. Pour m'en faire encore, mais laisse à moi quête mal dit, monsieur Salam, pour briser le cœur, mais bon, je vais faire logique avec ma yo. Vous comprenez? C'est logique, ma fait là, moi-même. Je dis, quête, si mal dit ça, j'en quel content de passer, ouais, ça, quand il y a mal dit, c'est pas où de passer, ouais, c'est business, c'est réglé, c'est. Vous comprenez? Moi, je m'en tiens, c'est facile pour entrer, vous comprenez? Comme si, n'a pas péché ça. Paul Guérison, dans Romains chapitre 17, ouais, qui m'a débarrassé de chier ça, vous comprenez? Gloire à Dieu, à Dieu. Oh, mais alléluia, on le fait, que bah, ça a fini. Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Verset 18, pas vrai. Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours. Ça, c'est bon, Dieu n'a pas servi. Hein? Qui est comme lui?
car il prend plaisir à la miséricorde. C'est ça qu'elle dit, nous faisons nous-mêmes, tout faisons miséricorde, tout verset 19. Il aura encore compassion de nous, ou bien qu'en en main. Il mettra sous ses pieds, quoi, nos iniquités. Ah, fini, ça, oublie, ça, c'est. Ou même, non, non, on ne va pas faire ça. On va songer. Tu jetteras au fond de la mer tout leur péché. Mais moi, je n'observe rien. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Conclusion. Bon Dieu a dansé l'œuvre de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment ça se passe là, mais ça mange à remède dans le passage là. Bon Dieu a dit, peuple, en nous plaider. Qui ça me fait, non? Qui ça nous a reproché? Mais nous-mêmes, ça nous fait. Nous pas bon vrai. Parce que si vous avez de ça, et bien, il dit non. Jésus-Christ a annoncé là. Péché ne va pas le pardonner, ne va pas l'oublier. Moi, je ne comprends pas, non? Mais bon Dieu m'a observé. Et bien, une fois, moi, nous décourager. Oh, qui a me fait passer ça encore? Qui a me fait ça encore? Je dis, bon Dieu, bon, m'a force pour me faire encore. Mais pas pour nous. Oui, je l'ai perdu salut, non? Mais bon Dieu a fait provision. Mais il m'a donné un cœur qui est repentant, un cœur brisé et contrit, même avec David dans Psaume 51. Amen. Il a pardonné péché, non. Priant, tu es en pays pour être péché, non, à la croix. Promesse, tu as fait à Jacob, il dit non, enfin, à Abraham. Avec toi. On a terminé avec Esaïe 55, verset 1er, il dit non. Ça, c'est l'Ancien Testament. Moi, même pas ça, parce que c'est l'Ancien Testament. Il y a des gens qui pensent que grâce, c'est un objet de Nouveau Testament que lié. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a, en d'autres termes, c'est gratis, si chéri. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pour que ça, Jésus qui t'a payé tout déjà à la croix. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Ou à dépenser dans un bagage qui n'a pas d'importance, mais bon, ici, il y a un bagage qui a d'importance et il est gratuit. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Deuxième, ça, mon Dieu, banouan, la bonne bouche et la satisfaire. Amen. Bon Dieu, il est son Père compatissant. Il voulait sauver. Même le, n'a fait pas qui passe ça, il continue à parler avec nous, pour le restaurer, non. Parce qu'il dit nous ça dans Philippiens 1:6, celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, on la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour me terminer, son photo que je vais montrer. Et comme c'est comme ça, moi, bon Dieu, il avait, oui, dans la dernière photo, ça, que nous avons sur l'écran, pour même que ton papa, pas vrai? Et bien, comme ça, le bailleur dit, papa nous a consolé, nous. Amen. Notre Père Céleste, nous merci. Comment de bon relo, Abba Père, papa chéri, dans le moment de difficulté, le gain pleure dans les yeux, nous, ou mettez-nous sous épaules, ou son Dieu qui compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, donc Dieu de grâce. Nous devons merci Seigneur que vous avertissez nous de conséquences péché et vous avez nos capacités par ton Saint-Esprit pour nous faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est dans la volonté. Vous avez nos Seigneur pour nous pratiquer la justice parce qu'on connaît que le bagage est extrêmement important pour vous-même. Vous avez nos Seigneur pour nous marcher avec humilité. Il n'est pas facile dans la chair. Mais par ton Saint-Esprit, nous réclamons victoire sur la chair à soi. Si que mon Seigneur qui peut faire la paix avant un moment, ça nous prier. On va convaincre que nous tous, nous sommes des pécheurs. Et condition ça, nous, c'est une croyance. Le nous croit. Côté venu à la croix. Côté mourir dans la place, nous, pour payer des péchés, nous. Et côté ressuscité le troisième jour, pour pardonner avec Pape Jean finir. Et nous tous, Seigneur, aidez-nous demain si Dieu veut, Seigneur. À la lumière de parole, ça que nous sommes liés, Seigneur. Pour nous vivre d'une autre façon, pour nous avancer plus près, d'une façon qu'on a pour opérer dans le travail, dans l'école, dans l'activité, dans la caille. C'est prier dans nos prières, dans notre petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.